Né à Vallée-Jonction le 3 décembre 1965. François Clich est l'aîné d'une famille de deux enfants. Après avoir œuvré dans plusieurs champs d'activité, en 1990, il réactive la gare de Vallée-Jonction qu'il transforme en musée ferroviaire et fonde les trains touristiques de Chaudière-Appalaches. Quelques incidents malheureux l'obligent à cesser ses activités. Le 19 mai 2006, il reçoit son dernier chèque de chômage et se retrouve sans argent. Avec l'appui de sa conjointe, Julie Bergeron, il a la brillante idée de repartir la Syrie menuiserie Alfa Fondé par son arrière-grand-père en 1903, être la quatrième génération à opérer le moulin lui sourit, sauf qu'il n'a pas d'expérience et surtout la nature lui joue de mauvais tours. Là, j'ai plus d'argent, mon chômage est terminé et là, faut que je fasse quelque chose pour euh, faire vivre la, la famille, payer la maison, tout ça. Alors, euh, le vendredi soir, je me pose la question qu'est-ce que je vais faire Et c'est là. J'ai le flash de ma vie. J'ai dû repartir l'entreprise de mon père, euh, qui. je vais devenir la quatrième génération à opérer le moulin Clich à Valais-Jonction. Donc, j'arrive euh, trois jours après, le lundi matin, je débarque le cadenas, je rentre dans l'usine et là, j'aperçois la, 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 la salle où on se trouve, l'atelier où on se trouve avec toute la machinerie. François n'a pas d'expérience car il n'avait pas le droit d'utiliser la machinerie lorsqu'il était jeune. Son grand-père avait un œil crevé et son père des doigts coupés aux deux mains. Fait que euh, la première semaine se passe et en refermant la porte le vendredi, j'ai comme euh, une vue sur l'ensemble de l'atelier et là je me dis, euh, il me passe des gros frissons sur le corps et ça, je me dis, à hey, mon dos, j'ai travaillé sur à peu près toutes les machines qu'il y a dans l'atelier ici. Sans jamais me poser de questions à savoir comment euh, ça fonctionne, comment on ajuste la machine, comment on change les couteaux. Et j'ai travaillé sur les, toutes les machines et tout ça s'est fait comme si j'avais travaillé ici euh, toute ma vie. Et dans, là, j'ai eu comme un, un flash en disant j'ai dit probablement que mon père est venu passer la première semaine à, avec moi. Et depuis ce temps-là, j'ai ce que j'appelle mon porte-bonheur, son, son pied de roi qui me suit. Euh, à tous les jours, à chaque fois que je déborde le cadenas, la première chose que je fais, c'est que je vais prendre mon pied de roi, Il s'en vient dans mes poches d'Avarol, et je passe mes journées avec le pied de roi. Et en plus, c'est pas juste un porte-bonheur, mais il est pratique, il est sorti de mes poches à toutes les cinq minutes. Je m'en sers vraiment beaucoup plus encore qu'un galon mesuré. Donc moi, ben j'opère avec mon but premier, c'est de conserver le patrimoine bâti, c'est de faire revivre l'entreprise familiale, qui est la plus vieille entreprise de... du village de Vallée-Jonction. Ici, on a une belle vue du premier moulin-clich de 1903-1917, et on voit au deuxième étage dans la porte mon arrière-grand-père Augustin. Ici, on a une vue de l'incendie du premier moulin-clich en septembre 1917, un, pour un mois et demi jour pour jour après l'inondation. Donc, ça fait partie de, de l'histoire, du, du folklore de, de vallée de la Bosse et euh, la machinerie qui est en place. Je change absolument rien du tout. Tout est de, encore fonctionnel. On a l'atelier de, de menuiserie et l'atelier de, de sillage, la scierie, avec la grande ronde de quatre pieds, machinerie qui date de 1934. Et en arrière de moi, il y a un troisième atelier qui est l'atelier de pleinage avec la machinerie de 1917 qui a été achetée par mon arrière-grand-père après le premier feu. Et tout est fonctionnel. Et moi, c'est de faire revivre, refonctionner encore cette même machinerie-là pour être capable de, de respecter le plus possible le patrimoine bâti qu'il y avait à l'époque, parce qu'on est, on est spécialisé sur la, 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 la fabrication d'objets vraiment dans des maisons anciennes reliées au passé. Parce que le moulin était en inopérant peut-être à peu près 4-5 ans après le décès de mon père. Et là, je me pose une question en, en pur jaune et noir, qui ne font pas les choses euh, comme tout le monde. Je me dis, comment je vais faire pour faire de la publicité, faire connaître l'entreprise sans argent? Et là, j'ai un autre petit flash, me dit, ah ben je vais faire placoter dans mon village. Les gens qui me connaissent vont entendre parler du moulin, ils vont dire à François, parti le moulin de son père, et ça va grossir comme ça. Et là, qu'est-ce que je fais pour... Faire jaser dans le village, ben je me dis, je vais faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis au moins 60, 60 ans. Je vais mettre de la couleur sur la bâtisse. Alors, euh, la première, première et dernière fois que le moulin était peinturé, c'était en 1938, et là, on est en, en 2006. Et je peinture les deux ouvertures qui donnent sur la 112 et les deux fenêtres et la porte qui donnent sur la rue principale à Vallée. Donc, les gens qui vont à Cacaillerie, au bureau de poste, à station-service, à la Caisse Populaire, à la Clinique Médicale, vont voir mon dos, il y a de la couleur sur le moulin, qu'est-ce qui se passe Et le même soir, ça s'est mis à voyager dans la rue et les clients ont commencé à apparaître dans le moulin dès le lendemain. Alors, ma peinture, a vraiment été... J'ai ajouté, en fait, deux gallons de peinture dans, mon... dans mes coups de publicité. Alors, dans le folklore de la Beauce, de Vallée-Jonction, du Moulin-Clich, il y a aussi des inondations dans l'histoire. Et la première inondation que je vis en tant que propriétaire de l'entreprise, c'est en octobre 2006, cinq mois, jour pour jour, après avoir relancé l'entreprise, arrive une inondation ou euh, c'est une inondation euh, pas comme les autres, où il y a seulement six pieds d'eau dans le sous-sol, ça pour nous autres c'est presque normal, deux, trois pieds d'eau dans la rue, là c'est euh, le double et on se retrouve ici dans l'atelier avec de l'eau à la hauteur des établis. Mais comme on est quand même prévoyant, on voit que l'eau va monter, donc on appelle des, des, des gens de la famille, des amis, et on, on attache le bois dehors, on relève le bois dans les entrepôts et tout ce qui est sur le plancher, on relève ça à la hauteur des établis pour essayer de minimiser au moins le montant des dégâts. Mais l'eau monte quand même plus haut qu'on pensait. Alors, il y a des dizaines de milliers de dollars en dégâts. Puis comme on se dit, ben on a parti le moulin, pas pour 16, 16 opérations après seulement cinq mois. Alors, en bon boucheron, ben on se retrousse les manches, on roule nos pattes de culotte, puis on se relève en regardant vers, vers l'avenir. Et finalement, on s'aperçoit que quelques semaines après, quelques mois après, woop, il y a de la machinerie qui est remise en fonction, on a du ménage de fait, puis tout bonnement, on est reparti en affaires. Les années passent et la clientèle augmente. De petites inondations jugées normales se produisent régulièrement sans toutefois affecter les opérations de François Clich. Mais arrive euh, en 2014 une très grosse inondation, encore pire que celle de 2006. Et euh, c'est dix ans après avoir. Euh, pratiquement dix ans après avoir relancé l'entreprise. Donc, une inondation, on voit l'eau monter. On fait comme d'habitude, on appelle des gens, on attache le bois dehors, on relève le bois dans les entrepôts, on barre les portes pour pas que les portes soient arrachées par le courant. Et on voit l'eau, le niveau de l'eau monter qui ne veut pas diminuer. Là, on se dit qu'il va y avoir probablement un pied d'eau sur le plancher de l'usine encore. On appelle des gens et là, on va chercher les gens à la voie ferrée en chaloupe pour les amener à l'usine parce qu'il y a déjà trois pieds d'eau dans la rue. Et on dit tout ce qui est à la hauteur des établis en baissant. Tout est relevé. Puis, comme on est prévoyant, mon grand-père, quand il a mis le moulin électrique en enlevant la vapeur, il a fait, après les moteurs, un filage beaucoup plus long, ce qui permet de démarrer les moteurs qui sont plus bas et les remonter. Donc, nous, ben on fait euh, du ménage pour tout soulever, ce qui est en bas des établis, même sortir les tiroirs. On met tout ça là-dessus pour mettre ça hors de l'eau, parce qu'on pense qu'il va venir un pied. Mais finalement, quand l'eau est redescendue, on rentre dans l'usine. Et on voit que l'eau est venue aux tablettes de châssis. Donc, tout ce qu'on a fait dans, en préparatif a été complètement fait pour rien. Dans la rue en face du moulin, il y a tout près de sept pieds d'eau par-dessus la route. Ici, on est devant un des entrepôts de bois et le niveau de l'eau a atteint le haut du bâton. On en parle encore, encore avec émotion. Le, on voit tout ça se passer et là on est comme impuissant. On voit le courant de la rivière Chaudière qui est à la largeur de son, son vrai lit de la rivière Chaudière, de, de la route du chemin de l'écart du côté ouest jusqu'à la rue principale dans le village de Vallée. Le courant de la rivière passe dans les rues autour du moulin. À un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des cages de planches, des piles de bio où le courant est en train de les emporter. On va draver du bois. Dans la journée, pour essayer de récupérer le bois en arrière du moulin qui part dans le chemin pour le rattacher en avant. Et dans la soirée, c'est le bois qui est attaché en paquet qui va tout partir ensemble. La cour à bio s'est vidée, deux cours à bois se sont pratiquement toutes vidées et il y a une partie de l'inventaire euh, qui est emportée par le courant, par la rue Hébert, la rue du moulin qui descend dans la rivière Chaudière et qui va sauter les chutes acharnées. Pour du bois qu'on ne verra jamais parce que notre nom n'est pas étampé sur le bout des madriers. Et quand l'eau rebaisse, on arrive et là on commence à voir l'ampleur des dégâts. On est dans la vase partout, dans le chemin, dans l'usine. On réussit, après une dizaine de minutes, à pousser dans la porte pour se frayer un petit chemin pour rentrer dans l'usine. Et là, c'est la désolation totale. Et là, on voit ça, puis on dit, mon dos, comment on va faire pour passer à travers. Et là, on est en 2014. Il y en a eu une identique du temps de mon père, où j'avais à peu près 15 ans. Et on a vu mon père dans, dans tous ses états avec des pertes considérables, les mêmes dégâts, même niveau d'eau aux tablettes de fenêtre. Des, des cages de planches qui sont emportées par le courant, des dégâts considérables. Et là, on est rendu dans les six chiffres. Et la seule chose que, qui me vient en tête en faisant un peu la, la tournée des dégâts, c'est une phrase que mon père, pendant les 20 ans qu'il a vécu après l'inondation de 1982, quand il parle des inondations, et qui finit son histoire en parlant de l'inondation de 82, il finit toujours en disant On n'a jamais réussi à passer à travers. Alors, euh, après avoir vu l'ensemble des dégâts, après avoir vu en pleine nuit des bio, des caches de planches traverser la route 112, appeler un loader pour dire Viens sauver mon bois, je vais perdre 100 de mon inventaire si ça continue. Euh, on est dans un état. Épouvantable. Euh, on ne sait plus où on s'en va, on ne sait plus ce qu'on va faire. On arrive, on vient un peu au moulin, on repart découragé, on arrive à la maison, on est complètement, euh, complètement à terre, on est découragé, on ne sait plus où on s'en va, où donner de la tête. Il y a tellement de ménage à faire, mais on ne peut pas juste travailler, faire du ménage il faut travailler pour continuer à livrer la marchandise, à, à répondre aux clients. Puis on ne sait même plus si on va être capable de, de repartir, tellement les dégâts sont immenses. Puis moi, en voyant les dégâts, c'est la, la phrase de mon père qui me, qui me, qui me revient tout le temps à l'esprit. Fait que là, on dit qu'est-ce qu'on fait C'est-tu une inondation qui va mettre la clé dans la porte Ou on fonce Et là, on commence à analyser des, des possibilités on ferme. On se relocalise en entier et là, on est rendu dans les, le coût de, autour d'un million de dollars à tout relocaliser, achat de terrain, tout ça en zone, en dehors de la zone inondable. Euh, C'est des frais qu'on dit, mon Dieu, on n'embarque pas, pas dans, dans ces frais-là, ça n'a pas de bon sens. Parce que moi, mais, un peu comme mon père, je ne suis jamais venu travailler au moulin. Moi, je viens au moulin un peu, entre guillemets, pour m'amuser. M'amuser dans le sens qu'on travaille. On vient avec passion. Je ne voulais pas être pris le restant de mes jours à venir travailler pour faire des paiements. Donc, on se dit l'autre option, on fait un peu de ménage, on repart les activités, puis on espère que la prochaine grosse inondation va être le plus éloignée possible parce que c'est sûr que l'eau va revenir. Quand On ne le sait pas. Puis l'autre option, c'est certains vont dire. Euh... Il est fou de, de prendre une entreprise qui est au-delà de 80 ans parce qu'on est dans les troisièmes installations du moulin. Et le, le, le coût à faire, c'est de relever le bâtiment. L'idée de relever le moulin, c'est elle qui nous amène la, la, la meilleure sécurité dans l'avenir. On dit au moins on va sauver la majorité des dégâts, la, la, la partie principale de l'usine va être sauvée. Et on commence les démarches, entre autres avec le ministère de la Sécurité publique qui nous ont euh, nommé zone sinistrée. Euh, on, a, on commence des démarches, on fait venir des gens spécialisés pour lever le bâtiment. On s'aperçoit que oui, le bâtiment, même s'il est très ancien, euh, on peut relever le bâtiment. On va faire des démarches et là, l'environnement va se mêler de, de, du dossier. Entre-temps, on va être obligé d'aller en décontamination parce qu'il y a beaucoup de cochonneries du, des places en haut de Vallée-Jonction qui sont venues tournoyer dans la cave du Moulin. Et comme la cave du Moulin est plus basse que le niveau de la rue, bien, on va rester à la fin avec une belle piscine de cochonneries, de Bien ben, ben des choses dans la cave qui ne sont pas à nous autres, mais c'est nous autres qui est rendus poignés avec ça. Alors, euh, l'environnement, le ministère de la Sécurité publique, la MRC là-dedans pour avoir tous les permis, compliqué parce qu'on est en zone inondable, on est une entreprise, on doit faire faire des plans d'ingénieurs. Donc, on embarque dans tout ce processus-là et à chaque fois qu'on arrive à franchir une étape, il y a quelque chose qui vient nous rebloquer le dossier. Donc, il faut aller retravailler à côté de l'autre dossier. On redébloque ça. Il y a quelque chose. Et ce qui a fait que les travaux qui devaient se faire en août 2014, on est rendu en octobre et on n'a pas eu encore le permis parce qu'on a été rebloqué. Et là, l'hiver s'en vient. Les froids ont commencé plus de bonne heure. Le gel est déjà commencé au sol. Et là, on a la décision, à savoir, est-ce qu'on fait les travaux, puis on a des frais supplémentaires parce qu'on est rendu avec le sol gelé, ou on retarde les travaux en 2015, puis on espère qu'on va avoir une petite inondation au printemps prochain. Alors, la meilleure des solutions, c'est d'attendre en 2015. Les travaux vont finalement débuter au mois d'août avec d'autres problématiques qu'on va régler. Donc, les travaux commencent au mois d'août, on relève le bâtiment, on passe en décontamination en octobre-décembre, en novembre-décembre, et on va être enfin sauvé des eaux en février 2016. Et là, on a un nouveau, un, un, un nouveau regard vers l'avenir, où là, on est rendu les pieds au sec, on est sécuritaire, mais ça a été une aventure qui a été vraiment... Épouvantable. On va garder ça longtemps euh, dans nos souvenirs et on espère que dans l'avenir, ça, ça va juste faire partie de l'histoire déjà vécue du moulin Clich. Avec deux ans de recul, François Clich considère que cette tragédie aura été une alliée pour lui, car il peut enfin entrevoir un bel avenir sécuritaire pour son entreprise. Maintenant que la bâtisse est relevée de Saint-Pierre, euh, que la business se continue avec une très belle et bonne clientèle, euh, grandissante toujours. S'il y a un message que je pourrais passer, c'est que quand on vit, euh, on a un rêve, il faut le vivre à fond. F si on est passionné par quelque chose, il faut aller à fond. Et à la moindre petite chose ou des fois à une grosse épreuve, c'est de ne pas se décourager. Sur le moment, c'est de prendre le temps de réfléchir pour, et de continuer jusqu'au bout de notre rêve pour être sûr que plus tard on n'ait pas le regret de ne pas avoir essayé jusqu'au bout. François Clich est la preuve vivante que dans la vie, il faut user d'imagination et de persévérance. parce qu'il n'a jamais baissé les bras. Il vit maintenant une belle histoire à succès.